Les amis, aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. On le dit tous, on le dit toujours, mais moi, c'est vrai, je vous promets. L'attaque des Titans, saison 2. Shingeki no Kyojin. Je sais pas comment ça se fait que j'arrive à prononcer cette phrase de manière complète. Hein, il faut être fan de manga, je crois, pour se le permettre. Et ça fait une rime. Non mais sérieusement les amis, je vais parler sérieusement avec vous. Ça fait quand même peut-être 150 ans que c'était censé être prévu, cette saison 2 à un moment donné. Je sais pas, on a vu la saison 1, après 1 il y a 2. Après 1 il y avait... Ouh, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il hein. Y en a, ils sont passés à côté de la mort, il y en a, ils sont morts, c'est triste, mais c'est une réalité. Et c'est quoi cette manie de faire une saison et d'attendre 1000 ans pour faire la saison 2? Alors les points positifs qui peuvent exister lorsqu'on prend le temps de faire une chose, bien sûr, c'est comme dans une vidéo par exemple, c'est que t'as le temps de... Qu'est-ce que c'est que ça? Mais je suis en vidéo, voyons. Qu'est-ce que c'est que ça, dis donc? C'est pas grave, ça fait genre le mec qui a la cote en vidéo, quoi. Ouais, ça fait semblant, au moins. Donc je vous disais, les points positifs, lorsqu'une série ou un manga met du temps à reprendre, c'est tu sais qu'il y aura un minimum de qualité, ne serait-ce que sur l'image. Et dans Shingeki no Kyojin, tu peux être sûr et certain que les 10 épisodes, je pense qu'il va nous avoir, parce que c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes, mais bon, je m'évade. Tu sais que la qualité d'image sera irréprochable. Parce que c'est pas comme Dragon Ball Super, tu vois, c'est tous les jours des épisodes. Son Goku, il a un sourcil qui part en vrille, il a le pif qui part à gauche. Bon, je vais pas critiquer, parce que sinon il y en a beaucoup qui vont m'insulter. Mais il y a des points positifs et des points négatifs. Une série, un manga, un animé comme Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, c'est un chef-d'œuvre. À mes yeux, en tout cas en animé. Je n'ai pas lu le manga. Toutes les personnes qui vont spoiler dans les commentaires seront bannies définitivement de ma chaîne. C'est signé, c'est surligné avec un marqueur de couleur jaune ou orange, ça c'est toi qui choisis. Bref, si vous ne me connaissez pas et que vous êtes venu dans cette vidéo, c'est pour voir ma réaction suite à la bande-annonce. J'ai vu quelques secondes, je me suis privé de voir la suite pour en fait la voir avec vous. Et comme ça, eh ben on va la lancer. Si t'es venu que pour ça, j'arrête de te saouler et je lance le débat. Enfin, la vidéo. Alors, saison 2 de l'attaque des titans, et en plus en version originale sous-titrée française. Comme ça, je peux comprendre en même temps. 3, 2, 1, analysons les choses ensemble. Voici ma réaction en live pour les choses que vous êtes venues. Oui, c'est pour... Bon, chut. Quelle musique qui te met dans l'ambiance. Je vais lire les sous-titres. Plusieurs titans arrivent depuis le sud. Le mur rose a été détruit. Aujourd'hui est un nouveau jour sombre dans l'histoire de l'humanité. Je m'épose parce que ça va aller trop vite sinon. Si jamais l'humanité devait donner tout ce qu'elle a, c'est maintenant. Vous vous rappelez? Il lui a coupé les doigts. Seulement d'une personne. Seulement quand une personne cesse de combattre, du moment que nous continuons de nous battre, on aperçoit un titan très velu. Oh, il est poilu. La saison 2. Oh, le colossal. Le titan colossal. Ça fait tellement longtemps que j'ai dû perdre les noms. Les titans sont en train de nous protéger d'autres titans. Les titans étaient en train de nous protéger d'autres titans. Puis il est marrant, lui. Mon village est au sud. Elle l'ignore toujours, mais elle a le droit de connaître le secret des murs. Si une Fuerin transformée pouvait utiliser sa capacité de durcissement des titans pour sceller le trou dans le mur, tu as surdimensionné, Fermine. Oh, il y a une... Oh, un affrontement contre le titan cuirassé. Titan cuirasse. Saison 2 de l'attaque des titans. Oh, il se mange une pêche de Tyson. Enfin, le cuirassé, faut dire qu'il a l'air stock. Hein. Il avait pété la porte dans le truc. Avril 2017. Alors les amis, croyez-moi que là, ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. Parce que, comme on a pu le constater, et on va analyser ensemble, un petit détail marrant, hein, c'est que tous les titans sont assez, bon, normaux, on va dire, entre guillemets. C'est qui, lui? Attends, je vais agrandir. C'est qui, Jean-Jean, là, qui est tout seul? C'est le bébère des titans, quelque part.
Allez, tous ensemble, on met le hashtag Vive le bébère des titans. Là, c'est un mélange d'images qu'on a pu avoir avec des images du futur. Lui, il va être important, je pense, le titan. J'ai pas vu, hein. Je sais pas qui il est. En fait, voilà, c'est cette phrase, qui est perturbante. Des titans étaient en train de nous protéger d'autres titans durant tout ce temps. Donc en fait, des titans, et en fait, il y aura plusieurs types de titans, si je me trompe pas. Il y aura les titans qui sont protecteurs peut-être, et les titans qui sont dans l'attaque. Tu vois, les défenseurs, les attaquants. C'est une analyse à ma manière. Si t'es venu voir une vidéo très spécialiste de ce personnage, effectivement, je pense que lorsque nous voyons un titan qui se proclame en fait être titan, il perçoit sa générosité à travers la vision d'un autre en fait. Abonnez-vous. Non, voilà, c'est mieux avec le... Je sais faire le schizophrène, ouais. Peut-être même que je le suis, je le sais même pas. Bref, c'était un genre de petite réaction en direct live sur l'attaque des titans saison 2 qui sortira en avril. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Bien qu'elle est courte, c'est un genre de réaction en live, en direct. Ça motive, c'est vrai que ça motive. Les dessins sont très beaux, il y a l'air d'avoir des petites révélations. Je sais que parmi vous, beaucoup de gens ont lu les scans, ont lu les mangas, sont au courant de qui est ce titan, qui ne l'est pas. Même moi, j'avoue que j'ai été un petit peu, à des moments donnés, presque spoilé. Ceux qui spoilent dans les commentaires ne pourront plus commenter sur ma chaîne. Ce serait bête, hein. L'objectif n'est pas là, c'est tout. En tout cas, voilà, comme je vous ai dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous attendez de l'attaque des titans saison 2 si vous n'avez pas lu les scans, si vous les avez lus, qu'est-ce que vous en attendez en épisode, ce que vous voulez... Enfin, voilà, vous m'avez compris. Les amis, cette fois, c'est pour de bon. Prenez soin de vous, je vous kiffe, merci pour tout, et la paix sur vous.